Riposte du gouvernement pour faire face à l'inflation, revalorisation des prestations sociales, bouclier, je cite, sur les loyers, incitation à l'intéressement, le détail des mesures, leurs coûts, leur efficacité, c'est ce qu'on va voir dans un instant avec Nivine Potreau. C'est pour en parler avec nous ce matin, évidemment, Julien Arnaud, Elisabeth Martichoux, Frédéric Davy et Olivier Roucan. Avant de vous entendre, pour bien comprendre, Nivine Potreau, quelles sont les principales mesures et quel est pour chacune le principal objectif? Alors, la principale mesure, c'est une revalorisation de 4% de toute une série de prestations sociales, à commencer évidemment par les retraites et les pensions d'invalidité pour les régimes de base. C'est également une revalorisation de 4% du RSA, des allocations adultes handicapés, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de la prime d'activité. L'objectif de ces revalorisations, c'est évidemment de compenser les effets de l'inflation pour les plus modestes. D'ailleurs, ces revalorisations, elles devraient durer dans un premier temps un an, jusqu'en 2023, le temps que l'économie mondiale reprenne son souffle et parvienne à compenser les différentes pénuries, comme par exemple celle du céréal. Ces revalorisations, elles vont s'ajouter à une autre série d'aides qui ont été annoncées pas plus tard que ce matin par Bruno Le Maire, comme par exemple la revalorisation, cette fois de 3,5% des APL. Les loyers, en revanche, ne seront pas gelés, mais le gouvernement va mettre en place un bouclier sur les loyers pour plafonner leur hausse à 3,5% au maximum, le tout pendant un an. Le gouvernement souhaite aussi bien que les entreprises mettent la main au portefeuille en incitant à prendre des mesures pour favoriser l'intéressement, notamment dans les PME. Et puis tout ça va s'ajouter à d'autres mesures qui ont déjà été annoncées ces derniers mois par le gouvernement. C'est par exemple le chèque inflation, le bouclier tarifaire cette fois pour l'énergie, le triplement de la fameuse prime Macron ou encore le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Nivine, et toutes ces mesures, elles vont coûter combien ? Eh bien, elles vont coûter cher, même très cher, et plus précisément 7 milliards d'euros d'ici fin 2027 et 8 milliards d'euros d'ici avril 2023 pour ce qui concerne la revalorisation de toutes ces prestations sociales dont je viens de vous parler. La question, évidemment, c'est comment va-t-on financer toutes ces revalorisations? Alors Emmanuel Macron, il a promis qu'il n'y aurait pas de hausse de dette, il n'y aurait pas non plus de hausse d'impôts, mais le président n'a pas détaillé comment il comptait s'y prendre pour financer ces quelques 8 milliards de coups de pouce pour les plus modestes. Merci Nivine. On comprend que ces mesures annoncées ont un coût très important. Pour en parler, nous a rejoint Michel Rumi. Bonjour, vous êtes économiste, professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Avant de vous entendre, écoutons justement ce que dit Bruno Le Maire sur le coût de ces mesures. Il prévient déjà, tout n'est pas possible. Écoutons le ministre de l'Économie. Tout n'est pas possible, tout simplement, Apolline de Malherbe, parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé, que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Qu'est-ce qu'il nous dit le ministre de l'économie? Que ces mesures annoncées ne pourront pas être financées? Que le gouvernement n'a pas les moyens de financer un nouveau quoi qu'il en coûte? Tout à fait. L'idée de l'argent facile et à coût gratuit, d'une certaine manière, est limitée. Aujourd'hui, on a vu qu'avec l'inflation, les taux d'intérêt ont augmenté. On s'endette à 2%. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le renchérissement d'1% du coût de la dette, ça représente à peu près 40 milliards. Donc toute la problématique du gouvernement sera de dépenser pour avoir l'appui de la gauche et de la droite sans, alourdir le déficit structurel. Et donc c'est toute la difficulté et c'est toute la réponse de M. Le Maire en disant on fera
où on pourra avoir des compromis pour permettre, on va dire, une certaine union nationale, mais on ne pourra pas tout faire. Et parce que le monde a changé et aujourd'hui, l'argent a un certain coût. Où est-ce que le gouvernement peut et va trouver l'argent quand, dans un même temps, on nous explique qu'il n'y aura ni hausse d'impôts, ni creusement de la dette? La seule solution serait d'avoir de la croissance qui augmente les recettes fiscales. Les prévisions vont être revues avec au vu des derniers indicateurs économiques. Donc l'idée est de toujours favoriser cette croissance. Il faut bien voir que ces mesures s'étalent sur un an. On estime que à la fin de l'année, il y aura l'impact de l'inflation qui sera de l'ordre sur une année de l'ordre de 7%. Donc là, il compense un peu cette perte de pouvoir d'achat pour continuer à relancer la consommation qui est l'un des moteurs de la croissance française. Et l'idée est de qu'il n'y ait pas une perte de confiance. Donc le gouvernement s'appuie sur une confiance des consommateurs, un avenir que tout le monde, je dirais, voit un peu se noircir, mais de toujours essayer d'avoir un peu plus de croissance pour avoir des recettes fiscales, pour éventuellement compenser cette demande. Mais rien n'est acquis pour l'instant. La question du coût, Michel Rémy, on l'aura bien compris, n'est absolument pas réglée. Sur le fond, est-ce que ces mesures sont efficaces pour lutter contre l'inflation ? L'objectif d'un gouvernement n'est pas de compenser pour l'instant la totalité de la hausse de l'inflation sur les principaux postes budgétaires. La question est d'amoindrir cet impact. Donc le gouvernement agit sur dans des domaines où il a la main. C'est pour cela qu'il fait des rustines d'une certaine manière. Mais là, on est au niveau des rustines parce qu'auparavant, il n'y avait pas eu des politiques structurelles. Et que ne pouvant être tout seul, il demande aux entreprises de favoriser ce pouvoir d'achat grâce aux mesures sur l'intéressement. Donc bien sûr, l'objectif est que c'est de limiter l'impact de cette inflation importée. Et c'est toute cette difficulté, c'est qu'il essaye de mobiliser tous les acteurs pour dire, eh bien, moi, gouvernement, j'aide les plus modestes, les entreprises aident le pouvoir d'achat en augmentant, ce pouvoir d'achat à travers les intéressements. Mais ce ne sont que des mesures, de cotérisation et pas profondément. Donc ça va poser, parce que la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on envisage une mesure jusqu'à fin avril et quid en début d'année de l'année prochaine, où je ne souhaite pas, mais à supposer que les tensions continuent et que l'inflation est vive, ça peut poser encore des questions de savoir jusqu'où peut-on aller. Et donc on se reposera la question de l'endettement. Et je reviens, c'est toute la difficulté d'avoir des compromis avec la gauche et la droite pour des mesures qui sont favorables aux Français, tout en limitant le déficit structurel. Merci Michel Rémy. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce matin sur LCI. C'est intéressant ce qui vient d'être dit. Maintenant, il va falloir convaincre le Parlement, la gauche et la droite que ces mesures sont les bonnes sur ces questions économiques. Est-ce qu'il y a un consensus sur le fait d'aider d'abord les plus défavorisés et de mettre un peu la main à la poche, la main au porte-monnaie en l'occurrence, pour passer cette période d'inflation ? Julien, personne ne veut répondre. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Vous voulez que je réponde ? Oui. Honnêtement ? Honnêtement, c'est compliqué. Il faudra voir comment les uns et les autres se positionnent au sein de l'Assemblée. En fait, avec cette proposition, ce gros paquet, cette loi du pouvoir d'achat, le gouvernement va mettre les oppositions face à leurs responsabilités. Quand vous avez un certain nombre de propositions qui vont dans le sens du salarié, d'aider les plus faibles, les plus démunis, vous allez avoir un exécutif qui dit la France insoumise ou tel député socialiste, vous ne voulez pas voter ce que l'on propose, mais allez expliquer maintenant à vos concitoyens, à ceux qui ont voté pour vous, pourquoi vous refusez de les aider. Même si c'est 100 euros alors que vous réclamez 150 euros, c'est déjà ça. C'est un geste pour votre pouvoir d'achat. Donc là, avec ce projet de loi, qui est aujourd'hui un avant-projet de loi,
de l'exécutif. C'est assez malin, je dirais, politiquement, de la part d'Emmanuel Macron et de la Première ministre Elisabeth Borne et du ministre Bruno Le Maire, de mettre les oppositions face à leurs responsabilités avec ce premier texte qui servira en même temps de baptême du feu, en gros, dans l'hémicycle, sur un des sujets majeurs et qui avait été au cœur de cette campagne présidentielle. C'est malin, nous dit Julien Arnaud, mais est-ce que c'est lisible pour le grand public qui entend toutes ces annonces pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? Et puis le ministre qui nous dit, attention, tout n'est pas possible, feu rouge, feu orange pour la dette. Oui, je partage votre point de vue. Alors, les mesures sont extrêmement concrètes. Il y aura bien sûr une logique de ce n'est pas assez, l'inflation va, entre guillemets, manger tout ce qui a été octroyé. Mais c'est vrai que je suis frappé par le décalage entre le discours des Français et celui des politiques et de M. Rumi sur la dette. D'un côté, du côté de Bruno Le Maire, du côté de M. Rumi, on est sur une logique où ça y est, la dette va redevenir un sujet majeur. On ne peut plus se permettre de vivre à crédit. Le quoi qu'il en coûte, on l'enterre définitivement. Et puis, dans toutes nos enquêtes, hein, prenons le sondage Jour du vote, IFOP fiduciaire pour LCI, au premier tour de l'élection présidentielle, au premier tour de l'élection législative, quel a été le dernier déterminant du vote en termes de thématique? C'est la question de la dette et la maîtrise des déficits publics. Les Français ne sont pas du tout sur la logique 2007, par exemple, où la dette avait été un sujet majeur pendant la campagne, notamment mobilisée par François Bayrou, où quasiment 15 ans, jour pour jour, François Fillon avait parlé de la France comme un pays en situation de faillite. Ça, cette réalité n'a pas du tout cheminé dans l'opinion publique. Donc, attention au décalage. Ça peut bouger vite, quand même. Ça peut bouger. Ah ben, les taux d'intérêt, déjà, ça bouge. Et les Français le savent durablement. Ils ont cette question en tête. Ils savent très bien qu'on ne peut pas dépenser. Et il y a une question de fond qui n'est pas abordée. C'est la question de la croissance. Monsieur, tout à l'heure, parlait de la croissance comme condition de financement de ces dépenses sociales. Il y a un enjeu de fond qui avait été abordé en 2012, 2013, 2014, qui était la compétitivité. Comment fabriquer de la croissance si nos entreprises ne sont pas compétitives suffisamment et n'exportent pas suffisamment? Il y a quand même cet enjeu qui est là. On a vu les chiffres se dégrader, l'exportation sans arrêt. Donc c'est un enjeu de fond parce que pour financer ces politiques sociales, il faut que nous augmentions notre chiffre d'affaires, si on peut dire, notre PIB. Et on a vu que ces dernières années, c'était la dette qui finançait la croissance, qui devrait être cette année de 2,3% normalement, selon les dernières prévisions. Parmi les Français que le gouvernement veut aider, il y a les plus âgés, les retraités. Mmh. Écoutez à ce sujet ce que disait Elisabeth Borne sur cette question, parce que vous disiez que c'était malin de la part du gouvernement de mettre cette question du pouvoir d'achat comme ça en pâture aux oppositions. Et de dire, prenez vos responsabilités, en gros, aux oppositions. Elle était l'invitée de Ruth El-Krieff sur cette question des retraites. Écoutez ce qu'elle disait. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que on va être d'accord et on aura l'occasion d'en débattre rapidement puisque c'est le premier texte de loi qui sera présenté à l'Assemblée nationale pour revaloriser les pensions des retraités. Ce modèle, il faut le financer. Si on veut demain mieux prendre en charge les personnes âgées, qu'elles puissent vieillir chez elles, l'autonomie. Donc il va falloir le financer. Donc je pense qu'il faut qu'on mette ces choix sur la table et qu'on regarde ensemble. Et ma conviction, c'est que collectivement, on doit travailler davantage. Revaloriser les pensions de retraite, sur ce point, c'était l'une des propositions des Républicains. Ouais. On imagine mal les Républicains ne pas voter ce dispositif. C'est ça, surtout que pendant la campagne présidentielle, vous aviez une candidate des Républicains LR qui disait Emmanuel Macron a piqué mon programme. Non mais donc aujourd'hui, si on continue la logique, difficile de se dire, ah ben non, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait. Donc c'est extrêmement complexe et c'est encore en ce sens où politiquement, oui, ils vont mettre toutes les oppositions et particulièrement là, pour le coup, les Républicains face à leurs responsabilités. Ça c'est très clair. Après, quand vous avez la France Insoumise ou le Rassemblement National sur la retraite à 60 ans, là forcément, oui, on va être dans un match. Mais vous aurez remarqué qu'Emmanuel Macron, dans son entretien à l'AFP, a dit finalement la question sur la réforme des retraites, c'est plus 65 ans, c'est plus un sujet tabou, on regardera, etc. Donc est-ce que c'est là le signe d'une toute petite ouverture de potentialité, de possibilité de discussion avec les autres oppositions? On le verra, et ça va être le job
pour le coup, d'Elisabeth Borne, là, dans les discussions qu'elle va entreprendre. Et il faut faire tout cela avant, évidemment, que la France ne soit bloquée par les uns ou par les autres. Des images à vous montrer, celle d'un tractage de routiers ce matin à l'Équin, c'est entre Lille et Valenciennes, dans une zone d'activité. Alors évidemment, ça crée des ralentissements. Les routiers ont décidé de protester aujourd'hui, de manifester dans les zones industrielles pour réclamer des hausses de salaire. Voici précisément pourquoi ils ont décidé leur action. Écoutez. Bah avec toutes les augmentations qu'il y a en ce moment, avec le gaz, l'électricité, le gasoil pour les ouvriers, aussi bien pour nos patrons que le reste, hein, que le gasoil pour nos patrons aussi c'est cher. Hein, et il faudrait qu'on en demande un petit peu les salaires, c'est tout. On a une inflation à 5,2%. La plupart des augmentations de salaire aujourd'hui, c'est 2,8%, 3% maximum, si vous préférez, plus quelques jours de congé. Nous, on réclame concrètement aujourd'hui la réouverture des négociations annuelles obligatoires pour dire de réindexer les salaires par rapport à l'inflation. On entend ce matin, Frédéric, le ras-le-bol des routiers. Et ce qui se passe, ça illustre aussi l'une des craintes du gouvernement de voir repartir la colère sociale qui avait été anesthésiée par la crise du Covid et par les récents événements, la guerre en Ukraine. Oui, bah, c'est un risque réel. Et puis on sait toujours que la rentrée de septembre est un moment où la question du pouvoir d'achat, traditionnellement, est forte. La question de la récompense du travail, là, ça pourrait prendre une ampleur jamais vue. En plus, ces routiers est plutôt frappé au coin du bon sens et va créer, à mon avis, une certaine empathie. Le coût de l'énergie, le coût du gazole, tout le monde peut ressentir ça. Je pense notamment aux 24% des Français vivant dans des communes rurales où la question de la relégation, la question de l'utilisation de sa voiture de manière normale lorsque l'essence est à 2,30, 2,40 se pose. On voit dans des enquêtes qualitatives de l'IFOP, que la question, est-ce que ça vaut le coup d'amener son gamin au club de sport, de prendre sa voiture? Tout ça, c'est des questions qui se posent. Et c'est vrai que cette rentrée pourrait être extrêmement chaude de ce point de vue-là, avec une opinion publique qui va être dans une logique, sans doute, de compréhension vis-à-vis de ces mouvements sociaux, même si une gêne pourrait être réelle. On se souvient, hein, c'est, je peux dire, un folklore social en France, des routiers qui bloquent le pays. On se souvient en 2013, au moment de l'écotaxe, etc.